Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve ce matin. Nous parlons de la seconde partie de notre entretien consacré au Coran, comment le lire, comment l'interpréter. Mais avant de poursuivre et entrer dans le vif du sujet, je vous laisse avec « Raconte-moi l'Islam ». Bienvenue à tous dans « Raconte-moi l'Islam ». Après avoir parlé de l'âge adulte du prophète Mohammed, aujourd'hui, ce sont les débuts de la révélation. Le peuple arabe descend d'Ismaël, fils d'Abraham, le patriarche du monothéisme, auquel se rattachent les religions juives, chrétiennes et musulmanes. Il est réputé pour son courage et son sens de l'honneur. Mais à l'époque de Mohammed, la plupart des tribus arabes sont polythéistes. Près de 360 statues et idoles côtoient la Kaaba à la Mecque. À cette époque, la structure sociale de base, c'est la tribu et le clan. Les faibles et les déshérités, qui ne sont pas protégés par des liens claniques, sont souvent rejetés et méprisés. La femme n'a aucun statut. Chez certaines tribus, les filles seraient enterrées vivantes par leurs parents, puisqu'elles représenteraient un poids pour les familles. Les liens tribaux sont très forts. Les vendettas et les conflits sont courants. Avant la révélation, cette période de décadence et d'anarchie dans la péninsule arabique est appelée Al-Jahiliya, c'est-à-dire le temps de l'ignorance. Néanmoins, on trouve des chrétiens, des juifs et quelques fidèles de la religion d'Abraham qu'on appelle les Hunafa, les purs adorateurs. La tradition témoigne que Mohammed n'a jamais adoré d'idole. Sa pudeur, sa simplicité, ses traits de caractère font de lui un être à part. C'est un homme de parole et de cœur, sincère et droit. Bien qu'il ne sache ni lire ni écrire, nombreux sont les Mécois qui lui confient leurs biens en dépôt. Très tôt, Mohammed commence à aimer la solitude. Il ressent le besoin de se retirer à l'écart du brouhaha de la ville pour se recueillir et méditer en quête d'absolu. Il reste pendant des heures à contempler les vastes étendues désertiques et la pureté des cieux qui évoquent en lui une présence divine. Au cours de sa 40e année, Mohammed effectue, comme chaque année, pendant le mois de Ramadan, une retraite spirituelle à la grotte de Hira, non loin de la Mecque. Une nuit, Djibril, l'ange Gabriel de la tradition chrétienne, lui apparaît et lui ordonne « Iqra, lis, je ne sais pas lire », répond Mohammed. Alors, l'ange le saisit et le serre si fort que Mohammed manque d'étouffer. Puis il le relâche et lui ordonne « Lis ». Mohammed donne la même réponse. À deux reprises, l'ange le saisit et le serre de plus en plus fort, puis le relâche et lui ordonne de lire. Chaque fois, Mohammed répond qu'il ne sait pas lire. La troisième fois, l'ange Gabriel libère Mohammed et récite les premiers versets du Coran. « Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, iqra, wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam. » C'est ainsi que commence la révélation du Coran et l'épopée du prophète Mohammed, qui va se dérouler durant 23 années. Son épouse Khadija est la première à croire en lui et à embrasser l'islam. Voilà pour aujourd'hui. Vous retrouverez la rubrique « Raconte-moi l'islam » sur le site internet de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Salam. Voilà, nous nous retrouvons sur le plateau de l'émission Islam. J'ai plaisir à vous présenter nos deux invités, le professeur Pierre Laurie. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes un fin connaisseur de la mystique islamique et de l'ésotérisme en contexte islamique. Et vous connaissez ces questions du Coran, puisque vous avez travaillé aussi sur le texte coranique. Et à côté de vous, le professeur Tayeb Chouiref. Bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, écrivain, conférencier, éditeur. Et avec vous deux, nous poursuivons donc la discussion autour du Coran, comment le lire, comment l'interpréter. Et avant de poursuivre, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Marie-Annick Le Guerle, qui nous parle de la grande figure du regretté professeur Mohamed Harkoun, avec cette ultime œuvre qui est « Lecture au pluriel du Coran ». Regardez. Fruit d'un travail patient et minutieux, la réédition de « Lecture du Coran » ajoute un chapitre essentiel à l'œuvre de Mohamed Harkoun. Il a consacré les derniers mois de sa vie à retravailler, à corriger, à améliorer. Donc c'est le livre matrice de Mohamed Harkoun. Voilà, c'est l'édition là maintenant définitive parce qu'on a beaucoup retravaillé à partir des centaines de notes qu'il avait prises. Mohamed Harkoun nous a quittés en 2010. Sa voix forte, courageuse, exigeante,
a marqué la pensée islamique du XXe siècle. Nous nous enfermons dans ce que j'appelle les clôtures. Les clôtures dogmatiques. Parce que le dogmatisme va avec l'exercice du pouvoir. Loin de s'écarter de la tradition, Mohamed Harkoun s'inscrivait dans la lignée des grands humanistes musulmans de l'âge des Lumières. La littérature classique musulmane jusque 11e, 13e siècle a été très libre, en fait. Vous voyez, c'est pour cela d'ailleurs que la calligraphie de Hassan Massoudi, hein, qui illustre cette couverture très sobre, veut dire liberté. Liberté qui s'exprime par le titre qui est au pluriel. Il y a des lectures du Coran. Sa méthode, c'est la critique de la raison islamique. Dans le titre, il y a une réminiscence d'Emmanuel Kant pour l'Occident, appliquée à la tradition, au texte sacré lui-même. Le Coran est créé en ce sens qu'il est advenu à un moment de l'histoire dans une langue humaine. Et nous sommes obligés d'exercer la raison sur cette langue humaine. Quand on dit « parole de Dieu », Dieu dit. Quel est le sens de ce verbe dire, hein? C'est dans une langue, dans une certaine communauté, qui a une certaine anthropologie, qui a certaines coutumes. Donc sans rejeter cette perspective de la révélation qu'ouvre les textes, la raison dit « il faut que je me batte pour comprendre ce texte ». La lecture est une construction du sens. Donc voilà sa méthode, qui est une méthode de déconstruction, non pas négative, mais déconstruction pour reconstruire un sens aujourd'hui. Lire un texte religieux est une chose difficile. Ça n'est pas donné à n'importe qui. Or, n'importe qui arrive, s'empare d'un verset coranique et en fait un verset de légitimation pour aller faire la guerre, du terrorisme, de tout ce qu'on veut, tuer les gens. C'est une autre histoire de la pensée islamique que nous devons absolument écrire de toute urgence et l'enseigner dans toutes les écoles. Voilà une invitation à programmatique, la Pierre Lory, c'est une autre histoire qu'il faut enseigner. Il y avait de l'audace intellectuelle chez le professeur Mohamed Harkoun. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir être son étudiant. Et je veux dire, il a vraiment été un grand guide et il continue à être un grand guide. Il enseignait au fond la religion toute seule, isolée de tout le reste. C'est très toxique qu'autour de la religion, il y a une chair et cette chair, c'est la société. Et donc, pour comprendre un texte comme le Coran, il faut aussi comprendre ce qu'il y a autour, toute la société qui l'a reçu, qui lui a donné vie, qui lui a donné sens. Oui, Tayeb Chouyelef, je vous ai vu voir avec beaucoup d'intérêt aussi, vous souscrivez à ce que dit le professeur Mohamed Harkoun. Eh bien, déjà, au niveau du titre, lecture du Coran avec un S. Au pluriel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un travail qui prend racine dans cette longue tradition d'exégèse du Coran, de tafsir, puisque les exégètes musulmans, dès les premiers siècles, avaient des méthodes tout à fait différentes, des lectures différentes, des approches différentes. Peut-être qu'on reviendra sur l'évolution du tafsir, donc de l'exégèse. Mais cette pluralité, cette diversité qui était parfaitement admise dans les premiers siècles et jusqu'à assez tardivement, aujourd'hui, on la retrouve curieusement assez peu dans la communauté musulmane. Et effectivement, il y a nécessité de revenir à cet grand esprit, à cette ouverture d'esprit qui était celle des premiers exégètes et de l'acceptation d'une diversité de lectures. Eh bien, c'est ce que nous voudrons faire justement moi ce matin, professeur Pierre Lory. Rappelons simplement ce que nous avons dit la semaine écoulée, le contexte, le rappel historique, la durée de la révélation. L'histoire raconte que le prophète a eu ses premières révélations en 610 et qu'il est décédé en 632. Donc pendant toutes ces années, il a reçu les révélations par fragments, parfois très brèves, parfois beaucoup plus longues, parfois des récits, parfois des prières, parfois des prescriptions juridiques. Et tout cela a été mis par écrit globalement et rendu officiel dans les années 650 sous le califat de Othman. Et donc c'est ce qui est devenu le Coran. Là aussi, Tayeb Chouyelef, très brièvement, on a les deux périodes, la période mécoise et la période médinoise. Si vous pouviez aussi nous les rappeler. Oui, donc ces deux périodes
Donc les 13 premières années, de 610 à 622 à peu près, où le prophète donc reçoit les révélations à la Mecque, où il est en butte à l'hostilité de certains de ses contemporains, notamment les puissants de la Mecque, il reçoit donc des révélations effectivement dont la tonalité, on l'avait vu la semaine passée, était très spirituelle, très mystique. Par exemple, la sourate Al-Muzammil, la 73e sourate, où le prophète lui-même est désigné comme celui qui s'enveloppe d'un manteau. Le ton est entièrement tourné vers l'intériorisation, vers la prière, vers la veillée, l'invocation même. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui marquera beaucoup cette période de la Mecque. Et la fonction même du Coran, nous disent les exégètes, était celle d'éducation spirituelle. C'est d'abord éduquer, approfondir donc, les différents aspects de la foi avant même de poser les jalons d'une organisation de la communauté qui sera une des fonctions du Coran à Médine, une des fonctions donc des révélations de Médine. Donc, si j'ai bien compris schématiquement, la période mécoise est une période de miséricorde, de bonté, d'amour, de spiritualité. La période médinoise est ou serait plus de factures prescriptives et législatives. Alors ça, c'est une lecture un peu rapide. D'accord. Exactement, qui peut parfois s'entendre de ci, de là. Parce qu'en réalité, à Médine même, même si certains versets se font l'écho de certains conflits qui sont apparus à partir de la période médinoise, en réalité, le souffle spirituel, et notamment la notion de rahma, de miséricorde, de compassion, est encore très présente dans le Coran, et elle sera présente jusqu'à la fin. Donc on ne peut pas dire qu'il y aurait donc deux tonalités complètement distinctes. Il y a simplement effectivement cet événement majeur qu'est l'exil à Médine qui fait que la communauté prend des dimensions tout à fait autres et la nécessité d'organiser la cité musulmane. On peut ajouter qu'au fond, les versets mécois représentent à peu près les trois quarts du Coran. Oui. Donc en plus, disons, le côté prescriptif du Coran se réduit vraiment à une petite partie, à quelques centaines de versets. Pierre Laury, si on revient, ne serait-ce que pour le titre de l'émission et de l'ouvrage de Mohamed Harkoun, lecture au pluriel, ça sous-entend que de tout temps, il y avait des lectures concurrentes, concomitantes, plurielles. L'histoire de l'exégèse coranique est tout à fait passionnante parce qu'on a vu que tout de suite, donc dès les premiers siècles, on a des certifications écrites, en tout cas au deuxième siècle de l'Égypte, troisième siècle de l'Égypte, il y a eu des exégètes qui se sont intéressés à l'aspect historique. Donc tel verset, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque où Mohammed vivait ? Tel récit de prophète, alors ils sont allés voir du coup qu'est-ce que les juifs ou les chrétiens disaient sur le prophète Moïse et sur les autres prophètes. Donc une dimension un peu, historique, entre guillemets. Et puis, il y a aussi ceux qui cherchaient à comprendre au niveau théologique. Alors, il y a une théologie qui s'est fondée sur le Coran, des théologies qui se sont fondées sur le Coran. Et puis enfin, il y a une tendance plus spirituelle et mystique, c'est-à-dire comment le Coran nourrit l'âme. Et donc, on a vu éclore une exégèse plus mystique du Coran. Tayeb Chouiref, puisqu'on a parlé d'exégèse là aussi au pluriel, et vous avez vous-même évoqué des exégètes très tôt, pouvez-vous nous donner simplement quelques grands noms de cette tradition exégétique ? Alors la tradition exégétique, il faut distinguer plusieurs périodes. Il y a d'abord ce qu'on appelle Tafsir al-Nabi, c'est donc l'exégèse du Coran par le prophète lui-même, les explications qu'il a pu donner, l'éclairage, les commentaires. Il y a ce qu'on appelle aussi Tafsir al-Sahaba, le commentaire des compagnons eux-mêmes, qui parfois pouvait être très profond et pouvait déstabiliser même ceux qui pouvaient avoir une lecture plus littéraliste, ou disons plus liée au sens premier. Pour donner un exemple, le calife Omar, donc deuxième calife, réunit les anciens de la communauté et puis apporte le jeune Ibn Abbas, qui est le jeune cousin du prophète, qui était encore adolescent à cette époque, et il interroge chacun sur le sens de la sourate 110, la sourate Le Secours, qui se termine par « proclame la louange de ton Seigneur et demande pardon ». Et il demande à chacun des anciens « comment comprenez-vous cela ?» Et chacun dit « alors c'est une prescription, Dieu nous prescrit de proclamer sa louange et de faire
contrition, acte de repentir. Mais le jeune Ibn Abbas est interrogé et il dit « Non, je ne comprends pas cela de cette façon-là. » Pour moi, ce verset est une annonce. Il annonce au prophète que sa mission est terminée et que sa vie touche à sa fin. Et Omar, ébloui, dit « Je ne comprends pas autre chose que toi. » Donc c'est un exemple qui est resté très célèbre de commentaires donnés par les compagnons qui pouvaient aller bien au-delà simplement du sens premier. Et puis ensuite, il y a eu des compilateurs pour arriver au premier grand commentaire que l'on possède encore, qui est celui de Tabari. Alors on possède des commentaires mineurs un peu plus anciens, mais dont l'historicité n'est pas tout à fait certaine. Par contre, celui de Tabari, qui meurt en 923 à Bagdad, nous donne vraiment un monument de ce qu'a pu être l'exégèse classique. Alors il est beaucoup dans la compilation, mais disons que voilà, il nous offre un matériau immense pour comprendre les versets du Coran. Mais justement, pour comprendre, il y a aussi un autre aspect que je voudrais voir avec vous, Pierre-Laurie, c'est cette idée des versets abrogeants et abrogés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, il y a pas mal de versets du Coran qui semblent avoir un sens contradictoire. Il y a des versets qui demandent de vivre dans la paix, il y a des versets qui parlent de combat. Et, alors, il y a eu une règle qui s'est établie, c'est qu'on pense que les versets les plus récents sont ceux qui font autorité et que, d'une certaine manière, ils abrogent les versets plus anciens. L'exemple classique est celui de l'interdiction de l'alcool, qui est plus récent que d'autres versets qui comptent le vin parmi les bienfaits de Dieu. Mais c'est un très grand débat, parce que en même temps, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a certains versets du Coran qui seraient devenus inutiles? Donc cette notion d'abrogeant et d'abrogé, elle s'est produite historiquement, mais actuellement, chez les nouveaux exégètes du Coran, elle est remise en question. Et avec vous, Tayeb Souyalef, avec aussi cette notion des versets ambigus, explicites, implicites. Oui, alors pour ajouter peut-être quelque chose à la notion d'abrogeant et d'abrogé, oui, il est vrai qu'il y a un verset de la sourate, la deuxième sourate, donc le verset 106, qui parle d'abrogation. Il dit explicitement, lorsque nous abrogeons un verset ou lorsque nous le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre qui est meilleur ou équivalent. Et donc cette notion d'abrogation, elle a certes des racines coraniques dans le texte lui-même, mais en même temps, l'étendue de l'abrogation et la façon dont on peut considérer un verset abrogé a donné lieu à des débats tout à fait immenses. Par exemple, Suyuti, grand savant égyptien qui meurt en 1505, qui fait référence dans les études coraniques classiques, distingue 21 versets abrogés. Pour d'autres, il n'y en a que 5. Et pas plus. Donc on voit qu'il y a tout à fait des débats et des appréciations très différentes sur l'étendue de l'abrogation. Ce qui fait débat maintenant, c'est cette affaire des versets dits belligènes, enfin de facture martiale, qui appelleraient ou qui appellent au combat et à la guerre. Et nous avons entendu le professeur Mohamed Al-Koun dire on se prévaut de ces passages-là pour aller commettre l'irréparable, le terrorisme, etc. Quelle réponse donnez-vous vous-même en tant qu'islamologue ? Eh bien, quand on utilise les ressources de la pensée classique, et notamment la notion d'abrogeant, d'abrogé, on se rend compte que, par exemple, le verset, dit verset de l'épée, c'est le cinquième verset de la sourate 9, a été considéré comme un verset abrogeant. C'est-à-dire qu'un exégète du deuxième siècle, donc le huitième siècle de notre ère, explique que ce verset abroge tous ceux qui sont pacifiques et qui invités à la concorde et à la vie en harmonie avec les non-musulmans. Et cet avis, qui était minoritaire à son époque, a fait école, si je puis dire, sans jamais convaincre tous les exégètes. Fakhreddin al-Razi, par exemple, qui est grand commentateur du Coran, mort en 1209, est contre cet avis. Et pour lui, au contraire, ce qui prévaut, c'est plutôt de considérer que les versets qui invitent à vivre en bonne entente avec les autres sont normatifs, et ceux qui se font l'écho de conflits sont ponctuels.
et circonstancielles, donc il faut savoir les relativiser. Exactement. À leur contexte. Tout à fait. Et donc c'est comme ça, professeur Lory, qu'il faut les déminéraliser ou dévitaliser ou les circonscrire dans le temps et l'espace. En tout cas, les études ont toujours tendance à essayer de situer les différents versets dans l'histoire. Et ils n'ont de sens que par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui faisait chair, comme disait Harkoun. Et effectivement, les sortir de ce contexte-là, au nom de quoi? Qui peut se prévaloir d'une telle autorité? Oui. Et à votre connaissance, de nos jours, y a-t-il une effervescence intellectuelle autour de ça, de la recherche, des débats sur ces différentes lectures? Disons, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord... admettre que on ne peut comprendre le Coran qu'avec le contexte historique. C'est un premier point, je crois, et c'est là-dessus qu'on peut enfin clore le débat stérile entre études universitaires sur l'islam et puis d'études théologiques des musulmans eux-mêmes. Et puis après, il y a essayer de voir quel est le sens que le Coran veut donner à la vie humaine, quelle est la direction qu'il veut donner à la vie en société des hommes. Et là, il y a un choix que, bien sûr, chaque musulman fait, mais pour revenir à Fakhreddine Razi, ce grand commentateur du Coran, par rapport à un texte aussi souvent récité que la Fatiha, hein, tous les jours, un musulman pratiquant, 17 fois par jour, récite ce texte en disant « Guide-nous dans le sentier droit » et non pas dans le sentier de ceux qui ont encore eu ta colère. Réprouvés. Voilà, ou de ceux qui s'égarent. De qui s'agit-il? Eh bien, Razi dit, contrairement à ce que pensent d'autres, il ne s'agit pas des non-musulmans. Ça peut très bien être des musulmans qui encourt la colère de Dieu et qui s'égare. Et donc là, il y a un choix vers inclusif, en quelque sorte, en disant ce que nous cherchons, la vie en société que nous cherchons, c'est cela. C'est le perfectionnement moral individuel. Taïb Suilef, c'est ce qu'il faut expliquer à des jeunes musulmans ou pas à propos de ces... qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte. Je crois que toute période de crise est porteuse de... l'impératif de relire les sources. Al-Ghazali, dont j'ai beaucoup étudié l'œuvre, part de ce principe. Il remarque que la crise que vit le monde musulman à son époque, il remarque une des grandes causes de cette crise religieuse, sociale, que traverse sa société, est liée à un certain mode de lecture. Et il identifie le littéralisme ou la crispation sur le sens premier, disons, comme une des causes. Et il va donc écrire plusieurs ouvrages pour montrer comment on peut dépasser le sens apparent, non pas le nier, mais l'englober en quelque sorte dans une hiérarchie de sens et comment on peut amener à faire prendre conscience à chaque croyant que sa lecture du Coran est en fait le témoin de son propre cheminement intérieur ou peut-être même l'absence de cheminement. Et donc plus, disait Razali, plus notre cheminement est profond, plus notre lecture sera plurielle et profonde. Et je crois que ce qu'il a vécu à son époque est en écho, ou peut faire écho en tout cas à certaines situations que nous vivons nous aujourd'hui, à savoir une certaine crispation sur une volonté de retourner aux sources, à la pureté des sources, mais de manière peut-être un peu trop superficielle peut-être. Il faut prendre le temps, je crois, de la lecture, prendre le temps de l'approfondissement, prendre le temps donc d'assimiler ce que peut le souffle spirituel que peut porter la révélation. Pierre Lory, vous qui étiez disciple, élève de Mohamed Harkoun, alors qu'il plaidait pour un humanisme ou un nouvel humanisme, comment faire pour renouer d'abord avec l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique et un autre qui englobe tous les humains avec le souci de l'homme? À travers l'exemple d'Harkoun, précisément, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans son cas, c'était l'immense passion qu'il mettait dans l'idéal de comprendre, dans le fait de comprendre et d'étudier. Lui, il parlait d'ascèse intellectuelle, vraiment. Prenons le texte coranique au sérieux, véritablement.
Et il cherchait donc à éviter à la fois ce qu'il appelait l'enfermement, donc dire que le texte coranique n'a qu'un seul sens, c'est celui-là, et comme disait Ibn Arabi, malheur à celui qui reste fixé sur un seul sens du Coran, et d'autre part, sa critique des études orientalistes qui veulent rester, qui croient simplement que en analysant des faits historiques, on en tire un sens. Donc c'est quand même le croyant qui exprime le sens du Coran. Et donc, il y a cette espèce d'incessante exégèse qui, je pense, peut manifester ce qui est le génie propre à cette communauté musulmane qui n'arrête pas de se créer siècle après siècle. Alors, cette communauté musulmane, dans sa recréation, avec les injonctions nombreuses et impérieuses quant à l'acquisition du savoir, de la connaissance, de la contemplation, de la méditation, de la réflexion, comment faire pour que les jeunes musulmans et les jeunes musulmanes étudient, apprennent, pour que ça leur parle? Mais je crois qu'une des premières choses à faire dans la façon de transmettre la religion, dans l'éducation religieuse, disons même de base, c'est de présenter les vérités de la religion dans la pluralité de leurs aspects, c'est-à-dire faire comprendre à un enfant, même jeune, qu'il y a plusieurs façons d'être dans le vrai et qu'il y a plusieurs façons d'être fidèle à un verset, comme, disons, pouvaient le vivre sans aucun problème les musulmans pendant des siècles et des siècles avant cette frilosité qui, depuis, un siècle ou deux, a gagné certaines mentalités. Donc je crois que si, très jeune, on est en contact avec la pluralité des avis, avec ce qu'on appelait autrefois et qu'il faudrait réactiver adab el-ikhtilaf, les politesses ou les convenances ou l'éthique, du débat et de la divergence. Et de la divergence, effectivement. Je crois que si on renoue avec cette grande tradition de l'éthique de la divergence, le jeune peut s'approprier, les sources, les références religieuses sans enfermement et sans clôture dogmatique, comme ça a été cité. Dont il faut s'en sortir, c'était le vœu et l'œuvre de Mohamed Darkoun. Merci, merci infiniment. Merci Pierre Laury, merci Tayeb Suiref. Avant de vous quitter, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin. Et je commence par le vôtre, Tayeb Suiref, aux éditions Erol. Citations coraniques au pluriel, expliquées, et vous avez pris 150 citations pour découvrir l'ensemble de l'œuvre coranique et se familiariser avec tous les aspects du Coran. Et puis, vous, Pierre Laury, aux éditions Albin Michel, dans la collection Spiritualité vivante, vous nous parlez du rêve et de ses interprétations en islam. Vous êtes un fin connaisseur de l'univers onirique en contexte islamique. Nous avons beaucoup parlé du professeur Mohamed Darkoun. Lecture au pluriel du Coran aux éditions Albin Michel. C'est la dernière œuvre compilée du regretté professeur Mohamed Darkoun. Le livre de Rachid Benzine aux éditions du Seuil. Le Coran expliqué aux jeunes. L'ouvrage de Serge Lafitte aux éditions Presse de la Renaissance, sous la rubrique « Les clés du sacré », donc la Bible et le Coran. Ce DVD qui est le Coran aux origines du livre, le film de Bruno Ulmer aux éditions Arte. Mesdames et messieurs, merci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et une excellente semaine. Et à très bientôt sur France 2. Allahumma salli wa sallim wa barik ala سيدنا وأسعد